Coucou Melion, coucou Melion, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je me porte super hyper bien. Melions et Melions, vous savez que la page est restreinte, vous savez que la page est totalement restreinte. Je vous prie de bien vouloir faire un tour de partage afin que ceux qui ne sont pas au courant que je suis en direct puissent prendre connaissance. Je suis choquée, je suis bouleversée, je suis outrée, je ne trouve pas les mots pour définir ma colère. Oui, je suis en colère. Je suis en colère. Quel est ce système que pour réussir, il faut donner l'anus? Je suis en colère. Quel est ce système que pour réussir, il faut tremper la main? Je suis en colère. Parce qu'un jeune garçon comme Vanister, avec un avenir prometteur, avec le talent, parce que beaucoup là sont dans la donne, chantent, mais n'ont pas le talent. Cet enfant a le talent. Je suis choquée de voir que Vanister se déshabille pour marcher. Je suis choquée. Après, où va la jeunesse camerounaise? Elle va où? C'est quoi que pour réussir au Cameroun, il faut se courber, écarter son anus, homme comme femme? C'est quoi que pour réussir au Cameroun, il faut appartenir aux loges? Oui, je le dis. Il y en a beaucoup. Dès que tu veux frapper une porte, on te donne des conditions. Et si tu n'adhères pas aux conditions, on te black. Excusez-moi, Mélione. Je suis dans des endroits où il n'y a pas de réseau. Mais je suis choquée. Voilà, Nister est rentré de la Côte d'Ivoire. Il a fait un statut où il disait dans ce statut, pour ceux qui ne connaissent pas Vanister, Vanister, c'est le jeune garçon qui a émerveillé le monde pendant la Coupe d'Afrique. Il représentait le Cameroun. Il représentait le vert ou jaune. Il représentait la terre de mes ancêtres. Seigneur, pourquoi tu as abandonné le Cameroun? Seigneur, pourquoi tu as laissé le diable gouverner le Cameroun, mon Dieu? Le diable est plus fort que toi, Seigneur. Le diable est plus puissant que toi, Seigneur. Pourquoi tu as abandonné tes enfants dans les bras des démons? Seigneur, pourquoi tu as abandonné tes enfants dans les bras des vampires qui prônent l'aristocratie, qui prônent le pédéisme, qui prônent la pédaresse sectaire, qui prônent la sorcellerie? Ils ne prônent pas le mérite. On ne prône pas le mérite. On prend la pédaresse sectaire. On prend la sorcellerie. Pourquoi, Seigneur? Je suis choquée de voir que on m'envoie, j'ouvre mon WhatsApp. On m'envoie la photo de Vanister, qu'il s'est déshabillé, il est en train de marcher sans kalekoum. Il est en train de marcher comme un fou. Déjà, depuis qu'il est rentré de la Côte d'Ivoire, il a fait un statut sur sa page. Ce n'est pas un buzz. Vanister n'a pas besoin de se déshabiller pour faire un buzz. Ouvrez vos cerveaux, bon sang. Une jeunesse de mouton. Ça, c'est même quoi ça? On dit qu'il pomme là. Parce que Mélion, quand il est rentré de la Côte d'Ivoire, il a fait un statut sur sa page où il a dit qu'il n'allait pas bien. Qu'il n'allait pas bien. Aujourd'hui, on m'envoie les photos que il s'est déshabillé. Si c'est le buzz que vous créez, parce que maintenant en Afrique aussi, Mélion, plus précisément au Cameroun, elles ne réfléchissent plus avec le cerveau. Elles nous fatiguent avec le buzz à la con. Que quand même un problème arrive, tu n'arrives pas à te prononcer. Tu n'arrives pas à te prononcer, mais tu te poses la question de savoir si c'est le buzz ou pas. Si c'est le buzz. Oh, est-ce aussi que je suis en direct et m'appelle comment? Oh mon Dieu. Mélion, moi je suis même pas encore arrivée à la maison. Je suis même pas encore arrivée à la maison. J'ai seulement dit que, mais ce n'est pas possible. Mais si Valiste arrive là, hein? S'il
il arrive là pour faire le buzz. On va le blacklister. On va le. On dit quoi là, hein? Parce qu'il faut que les artistes camerounais arrêtent d'être ridicules. Non! Parce que pour tout, la dernière fois, c'est Sandra Nelly qui parle, elle fait comme si elle se déshabille. Mais finalement, moi, je comprends plus. Non, Mélion! Si c'est le buzz, on va mettre les organes sur lui. Non, il faut qu'on arrête. On doit prendre le talent ou le buzz de quoi chaque temps. Pour nous mettre au travail. Même quand quelque chose va arriver, vraiment, on va plus croire. On va se dire que c'est le buzz. Je dis que même quand quelque chose va arriver, non, on va plus croire. On va dire que c'est le buzz. Parce que maintenant, les artistes camerounais, eux fonctionnent qu'avec le buzz. Donc, j'ose croire que ce n'est pas le buzz. Vanister. C'est qu'elle, moi, me veut enquêter sur ta vie, venir étaler ceci là. Faites les gens mettre les organes. Hein? Il n'a pas besoin de se déshabiller pour faire le buzz. Non, mais dites-moi un peu, Mélion. Parce que la photo que j'ai vue là. Ah, le caleçon, un jar là. Et un. Ouais, c'est Mandy, non? Qu'il fait comme ça sur le buzz un peu. Pour me sentir passer. Hmm? Mais en tout cas, pour Coco Emilia et Mumu, c'est pas le buzz. Hein? J'arrive sur ça tout à l'heure. Pour Coco Emilia et Mumu, ce n'est pas le buzz. Hein? J'arrive sur ça tout à l'heure. Ce n'est zéro buzz. Zéro buzz. Parce que pour Coco, Emilia et Mumu, j'ai eu le temps de patrouiller dessus. C'est pour Vanistella que je n'ai pas eu le temps de patrouiller dessus. Hein? Non, si c'est le buzz, hein, Mélion, on va les insulter. Non, moi, je l'ai. Yeah! Parce que, hein, moi, je ne comprends pas. Tu as le talent, tu as tout. C'est le buzz de quoi que tu veux chercher? Les bêtes buzz même. Les buzz de quoi? Demain, quand quelqu'un serait vraiment en difficulté, on va plus le croire. Parce que vous créez des bêtes buzz, ça n'est pas donné, hein? Vous créez des sales buzz. Attendez, non, créez les buzz. Voilà Happy de Foulan, non? Mais non, voilà Happy, non? Ok. Ok. Bref, j'ai patrouillé concernant l'histoire de Muriel Blanche et Coco Emilia. J'arrive à la maison, je m'installe tranquillement avant de vous donner les tenants et les aboutissants de ce dossier. J'arrive à la maison avant de vous donner les tenants et les aboutissants de ce dossier. Mais ceci dit, millions et millions, dans le milieu artistique que vous voyez ici, il y a beaucoup de complications. Vous comprenez, non? Je profite de cette occasion pour un peu, voilà. Dans le monde artistique que vous voyez cela, il y a beaucoup de complications. Il y a ce qu'on appelle même les clans, qui sont dans leur réunion. Si tu ne fais pas partie de la réunion, tu ne peux pas faire grand chose. Attendez. Vous, attendez. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Que tu dois faire partie de la réunion. Quand tu fais partie de la réunion, on vous te donne aussi les avantages. Oh mon Dieu. Tu fais partie de la réunion, on te donne aussi les avantages. Tu ne fais pas partie de la réunion, tu ne donnes pas les avantages. D'autres ont demandé qu'ils doivent donner le chouroul. Vous connaissez le chouroul, non? Je vous ai donné la définition du chouroul, non? D'autres ont dit seulement qu'ils doivent donner le chouroul. Que s'ils ne donnent pas le chouroul, on ne les fait pas avancer. Beaucoup se lancent dans l'encrou. L'encrou, c'est la poudre, non? Bref, ça c'est la réalité du showbiz que tout le monde est en train de bousculer pour entrer dans le showbiz là. Et c'est un sale milieu. Moi, je le dis ouvertement. Est-ce que je me cache moi pour dire ma chose? C'est un mauvais milieu. Qu'est-ce que tu ne... Mon frère, que je... Ceux qui disent que Martinez Ogola, vos poils, vous comprenez, non? Vous ne connaissez pas la route de Toudi pour aller parler au président? Vous ne connaissez pas? Hein? Vous voyez seulement, moi je veux voir mes enfants grandir. Hein? Je parle dans l'histoire de Martinez Ogola, en quoi ça me concerne? Si demain, là, on dit que moi-même, on m'a
pas coupé quelque part là, vous allez vous donner la nourriture à mes enfants. Jusqu'à Aïcha, parle-nous de l'histoire de Martinez Ogo. Oh, Martinez. Eh, hey, fichez le camp, vous ne connaissez pas. Allez, tout dit, informe au président de la République. On a aimé Martinez Ogo. Ne pas vous avez seulement vu la moins chère Aïcha Kamoise qui va se lever, se sacrifier sur Jésus. Et si Jésus peut me sacrifier pour vous. Même quand ton n'a pas pu vous. Même quand ton n'a pas pu vous délivrer. Hein? Merde. Quand Aïcha parle nous de Martinez Ogo. Je veux voir mes enfants grandir. Je ne parle pas de Martinez Ogo. Ça ne me concerne pas. Et ça ne risque même pas me concerner. Celui qui est trop fâché, il prend la route et tout dit. Il se met là-bas, il dit qu'il ne parle pas par le président de la République. Merde. Vous avez vu les gens qui vont se sacrifier. Je suis où Niobe? Je suis Nelson Mandela? Ou je suis Thomas Sankara? Excusez-moi, ma passe limite sur le Congo, ça. Donc quand ça commence à traverser un peu les histoires de politique, on t'aime les gens. Il y a Kaïdoudou qui compte sur moi. Chabdama abandonné avec deux enfants, il ne regarde pas. Donc si elle ferme les yeux, ils vont être orphelins de père et de mère. Donc s'il vous plaît, déposez-moi tranquille. Merde.